Aujourd'hui à la retraite, Alain Ardoin a toujours sa passion pour le son chevillé au corps. Tous les matins, il s'enferme dans son studio pour écouter ses morceaux préférés. Le reste de son temps, il le consacre à la réalisation d'un son et lumière pour ses petits-enfants. En effet, chaque année, il fabrique une crèche autour de laquelle il propose un spectacle. Et cette année, il rend hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si on regarde très près dans la flèche, on aperçoit effectivement une petite crèche qui vient d'Argentine en miniature. Et ça a été découpé, je crois que c'est de l'albâtre ou du marbre. 6 mois de travail lui auront été nécessaires pour réaliser cette miniature, et cela sans compter la partie technique. Et alors pour l'électronique, la lumière, le son, j'ai passé à peu près 5 mois. D'énormes nuages de fumée grise s'élèvent et envahissent le ciel. Tout est en train de brûler. Il ne restera rien de la charpente. Pendant les 15 minutes que durent ce son et lumière, il revient heure par heure sur la tragédie qui s'est abattue le 15 avril 2019 sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'en ai profité donc pour faire cette maquette que je ne croyais pas réaliser comme ça. C'est au fur et à mesure que je me suis aperçu que j'étais capable de faire quelque chose. Et surtout, ce qui m'intéressait, moi, c'est que je savais quelle lumière j'allais mettre derrière et quel son. 3000 LED et une semaine et demie de programmation plus tard, l'hommage d'Alain Ardoin voyait le jour. Dans l'armoire de gauche que je vais ouvrir ici, on aperçoit toute la commande de la lumière, la puissance, les gradateurs. L'armoire de droite, tout aussi conséquente, est-elle consacrée à la gestion des moteurs? Donc il faut faire la même chose que si c'était en fait grandeur nature. Hein, c'est exactement ça. Hein. Les circuits, 90 circuits, le son, donc le plaisir est le même. Il est même encore plus fort parce que moi je peux, quand j'ai envie de réécouter, je réécoute. Si on fait un spectacle sur Notre-Dame de Paris, on ne va pas laisser les projecteurs à vitam aeternam. Un travail titanesque qu'il a pu présenter au public cet été à Luçon à l'occasion de la Nuit des cathédrales.